tous, bienvenue dans Avignon Avignoff. Aujourd'hui nous sommes toujours à Avignon pour vous faire découvrir les nouveaux spectacles drôles, originaux, décalés, un peu plus profonds. Au programme, on retrouvera Sandes avec Hugo Le Guen, Piano Rigoletto et l'extraterrestre. On est tous des extraterrestres, on a des antennes sur la tête, on a 500 kilomètres, on est les plus grands de la One Man Show extraterrestre, qu'est-ce que c'est déjà? Et surtout, pourquoi pour les enfants? Parce que stand-up, y en a. C'est plus pour les grands en général. Mais... Bah oui. Mais en fait, ça fait des années que je fais des spectacles pour enfants. J'avais une autre aventure qui s'appelait Le Royaume des Bonbons. Mm-hmm. Voilà, là, c'était une grosse comédie musicale. Et je me disais, mais il n'y a pas de One Man Show pour enfants. Je voyais plein de One Man Show adultes et pas pour enfants. Je me dis, c'est pas normal. Donc on en a parlé avec Olivier Pierre-Noël, avec qui je collabore depuis plusieurs années sur les spectacles. Et on a décidé de monter le premier One Man Show pour les enfants. Voilà. D'accord. Et l'extraterrestre, en fait, c'est parce que tout petit, on m'a toujours dit un peu que j'étais un extraterrestre, parce que j'étais toujours la tête dans la lune, rêveur, parce que j'aimais le spectacle, voilà. C'est pour D'accord. Et du coup, tous les personnages sont vraiment autobiographiques. J'imagine que tu as connu une Eva, une Danaé, exactement. Un Hubert. Exactement. Et aujourd'hui, alors c'est marrant parce que dans la salle, à un moment donné, je prends à partie une personne que j'appelle Martine. Oui. Et aujourd'hui dans la salle, cette Martine, c'était ma maîtresse quand j'étais enfant. Et je ne le savais pas, parce que je ne l'ai pas reconnue. C'était ta vraie maîtresse. Alors c'était ma vraie maîtresse, mais ce n'était pas Madame Le Cafard. Voilà, ce n'était pas elle, Madame Le Cafard, je la rassure. Ouais. Mais voilà, mais sinon, oui, alors Hubert, il a vraiment existé, le Wesh Wesh. Il y a également Eva. Oui. Parce que moi, je viens de, je viens en fait de l'animation pour enfants. J'ai beaucoup fait de l'événementiel pour les enfants, je faisais les goûters d'anniversaire. D'accord. Et donc un jour, j'animais un goûter d'anniversaire et j'avais une petite fille comme ça, qui s'appelait Eva, et qui était une petite peste, qui avait invité que ses copains pour les cadeaux, et dès qu'elle a vu ses cadeaux, elle leur parlait plus, enfin voilà. Et donc Eva, un peu comme ça, toujours, qu'est-ce qu'on m'aime, voilà. C'est à double lecture aussi, il y en a autant pour les enfants, parce que tout le monde rigole, même les adultes, et il y a des choses qui sont plus... Enfin, que les petits ne comprennent pas forcément, que les grands comprennent. Enfin, il y a beaucoup de références actuelles. Voilà. Et les tout petits vont, il y a d'autres choses qui vont les intéresser, les plus grands aussi. Là aujourd'hui, on a eu des 3 ans jusqu'aux 12 ans. Et puis jusqu'au peut-être 90 ans, parce que j'ai vu qu'il y avait des grands-parents aussi. Donc voilà. Donc après, je sais pas les âges, mais voilà. Non, ça parle vraiment à tout le monde parce que ça parle de l'école, c'est des thèmes actuels. Voilà. Il y a plusieurs messages également dans le spectacle, la tolérance. D'accepter un nouveau qui arrive dans la classe, voilà, voilà. Mais c'est camouflé, parce qu'on voulait que ça soit, que ça soit interactif, que les enfants participent, que ça soit une fête, on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour s'amuser. D'abord, c'est vraiment interactif, du début jusqu'à la fin, les enfants ont le droit de participer, de parler, parce que vous avez dû voir tout à l'heure, de temps en temps, je les prends à partie dans la salle, s'ils me parlent, je leur réponds, et les adultes, c'est pareil, hein. Voilà. C'est vrai. Ouais, j'avertis les adultes, il faut venir en forme aussi. C'est parce que c'est pas que pour les enfants, ça c'est sûr. Mais justement, pourquoi créer un spectacle entier déjà sous la forme du stand-up et sur l'école en fait? Qu'est-ce qui t'a dit? Faut que je parle de ma vie, de l'école, ça t'a marqué? Alors moi j'étais toujours le premier de la classe, mais en partant de la fin en fait. Exactement. Alors voilà pourquoi l'idée sur la classe, parce que bon, j'aimais pas trop l'école. Je préférais justement rêver au spectacle. J'admirais toujours ce qui était le cirque, ce qui était. Les spectacles, les grosses comédies musicales, et voilà. Et justement, qu'est-ce que tu dis à un enfant qui dit « je veux faire comme toi plus tard, je veux être grand, enfin, quand je serai grand ». Faire du spectacle ? Ouais, faire du spectacle, je veux faire comme toi. Faut aller au bout de ses rêves. Donc s'il a envie, il faut le faire, c'est dur. Je vais pas dire c'est un métier qui est difficile, il y a du travail, il y a des hauts et des bas également dans ce métier-là, mais c'est magique. Parce que quand on a des enfants, justement dans le spectacle pour enfants, quand... les enfants dansent et quand en plus les parents aussi dansent, et puis quand on a, comme là tout à l'heure, la séance de dédicace où on vient me demander des photos, des dédicaces, c'est génial. Donc faut foncer. Justement, comment le petit Eric de 7 ans aurait réagi en voyant ce spectacle? Comme les enfants qui participent peut-être un peu plus timidement, parce que j'étais très timide en fait. Donc j'aurais peut-être regardé le spectacle, voilà, timidement. J'aurais participé, parce que j'ai toujours participé, mais plus timidement que certains enfants quand ils crient, quand ils sautent en l'air et tout, voilà. Ouais. Il y a quelques timides de temps en temps. Mais alors c'est marrant parce que ces timides-là, ils sont timides des fois dans ces moments-là, mais en dehors, ils peuvent être carrément... je l'ai vécu dans les anniversaires, justement. Ouais. C'était les plus timides et qu'à la fin étaient... les plus turbulents en fait. C'est vrai. Donc voilà, oui, exactement. Pas à l'aise. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton. T'as pas une anecdote, ton meilleur souvenir de spectacle ou un truc drôle à raconter sur ce que t'as pu faire, ce que t'as pu voir avec les enfants? Alors, par rapport à Danaé,
quand je pleurais, j'avais une petite fille qui s'était levée, qui m'avait donné son doudou, son... Oh, c'est mignon. Pour me dire ne pleure pas pendant le spectacle, voilà. C'est ça, mignon. C'était sympa. D'accord. Un petit ouhou pour la fin. Ouh ouh. Il faut dire, ça va les claques, hein. Ça va ça les claques. Ouh ouh. Il y a 4 jours, mon père est mort. Oui, je sais, c'est une drôle de manière de commencer, mais il fallait que je le dise. Je m'appelle Léopoldine. On m'appelle Léo. Mon père m'appelait Didine. Enfin bref. Alors, je voudrais parler de la mise en scène. Avec qui avez-vous travaillé? Avec Zetlana de Quiron. Qui avait déjà travaillé donc avec Alice Meynil, la chef de projet entre guillemets de la pièce, sur une pièce de Kerner qui s'appelle Se mordre. Qu'avez-vous aimé esthétiquement dans cette pièce? Les ombres chinoises, qui collent parfaitement en fait avec le côté en retrait en fait de chaque femme, le côté un petit peu onirique qu'elles peuvent avoir. Justement, l'homme n'étant pas présent sur scène physiquement, c'est le côté. Pareil, le côté qui se découpe un petit peu en secret, chacune dans son coin. Et je trouve ça vraiment très, très judicieux. Et aussi le fait de placer le cercueil comme ça en meuble, en seul meuble qui existe sur scène. Justement que cet homme qui n'est plus là et qui n'est pas là de toute façon quand il était vivant. Et que les comédiens arrivent à jouer avec ça, à s'en servir. C'est très bien joué. C'est très bien vu. D'ailleurs, le cercueil, je l'ai complètement oublié. Oui. Je voudrais aussi qu'on parle d'Alice Meynil. Oui. Comment vous l'avez rencontrée? Comment ça s'est passé, votre collaboration? Je l'ai rencontrée il y a bientôt 4 ans, par une soirée en fait, entre amis. On voulait repartir, je rentrais d'Avignon moi et on voulait recréer un groupe de travail. Mm-hmm. Et donc on a accroché en fait, au début amicalement, on a fait une pièce ensemble au Théâtre du Ménilmontant, on a fait des petits courts-métrages. Et l'année d'après, c'est elle qui est partie à Avignon. Et qui est rentré subjugué en fait par le festival avec une danse. J'ai réfléchi à ce qui pourrait marcher à Avignon, entre guillemets, d'un point de vue uniquement commercial. Et son projet était donc une pièce où il n'y aurait que 4 femmes. Donc évidemment, avec ce soit aussi pas juste des femmes, mais aussi des très bonnes comédiennes. Donc elle m'a imposé, entre guillemets, quand elle m'a demandé d'écrire la pièce, les comédiennes que je connaissais. Et il y a une très très grande complicité entre Alice et moi, c'est-à-dire que de la même manière que je fais une confiance totale à Zetlana, et j'ai une confiance absolue dans la vision qu'a Alice sur ce projet-là, et de la même manière qu'elle a une confiance absolue en fait, dans ce que j'ai pu produire. Et voilà, après c'est ce que je dis toujours quand les gens nous regardent, c'est un peu entre le vieux couple et le frère et la sœur, on est tout le temps en train de se faire la gueule, de se rabibocher, Et donc si bien que voilà, cette pièce-là nous caractérise tous les deux, je pense, moi en tant qu'homme et en tant que femme. Et j'espère que c'est mon plus grand souhait en fait, c'est que les gens qui, les hommes et les femmes se retrouvent en fait dans ce genre de relation. Parce que j'en écris quelques-unes, donc j'espère que ça se reconnaît. Les gens arrivent à s'imaginer en fait, à comprendre un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre, et à se dire, c'est pas juste... C'est pas juste des histoires d'amour qui nous paraissent abstraites, ou des relations, ou des rivalités. C'est une part de nous-mêmes en fait, qui à chaque fois est exposée. C'est ça aussi que j'espère. Quand je dis que j'espère que les gens se reconnaissent, c'est que ça traite de l'amour, ça traite de la mort, ça traite du conflit, ça traite de la paternité, ça traite de la filiation, ça traite d'énormément de choses. Et voilà, en fait, c'est tout ce qui se passe sur ce noyau dur que nous sommes avec Alice, c'est ça aussi qui est dans cette pièce, et j'espère que c'est ça aussi. C'est plus un hymne à la vie, en fait, que vraiment un truc sur Victor Hugo, encore une fois. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, s'il y a encore de la place, ça parle de quoi? C'est un cours de musique, mais un cours de musique un peu loufoque. Plus ludique qu'académique, c'est un cours de musique, on rigole bien, on raconte des bêtises, mais on apprend quand même des choses. Voilà, c'est un vrai masterclass sur la musique, entre l'histoire de la musique, des anecdotes, et puis Alain Bernard qui nous délivre au piano des belles mélodies, sa virtuosité, et bien sûr avec humour, et un peu d'émotion quand même. Justement, qui a eu l'idée de ce spectacle-là? C'est Alain Bernard qui est à l'initiative de ce spectacle, c'est son spectacle, et puis il existait déjà avant que j'intervienne. Il y avait des bribes, il y avait quelque chose. Avec Jean-Claude Isler, il a déjà commencé à élaborer pas mal de choses. Et à un moment donné, je suis arrivé pour formater le concept, le cadre, et puis pour compléter l'écriture.
justement, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez été amené à travailler ensemble? C'est une longue histoire. On se connaît depuis plus de 30 ans, donc c'est une amitié d'abord, avant d'être un travail. Donc Alain Bernard, voilà, c'est quelqu'un qui sévit dans le métier depuis très longtemps, parce qu'il a fait le théâtre de Bouvard. Oui, voilà. J'ai fait le pianiste de Smaïn pendant 20 ans, voilà. En plus. Donc, on se connaît depuis une famille. On se connaît depuis des années, donc voilà, nous avons travaillé dans un terreau déjà bien élaboré. Voilà. Et quand j'ai arrêté de travailler avec Smaïn, j'ai eu des velléités de monter ce spectacle en solo. Et Pascal avait vu quelques bribes de sketch à droite à gauche, et il m'a dit tiens, on va retravailler ensemble avec son expérience, son talent, etc. pour retrouver surtout le concept du spectacle. C'est des petits sketchs à droite à gauche, il a formaté pour faire le cours de musique. C'est vraiment. Bribes à droite à gauche, moi je les ai mis au milieu. Voilà. Et pourquoi l'approche justement d'un cours de musique, vous auriez pu avoir différentes approches pour amener tout cet humour? Mais je crois que j'aime bien aussi ce ton un peu didactique. En essayant de rester un peu sérieux, un peu de façon anglo-saxonne, en racontant des grosses bêtises. Et puis c'est la matière aussi pour c'est le moyen d'aborder un peu plusieurs styles. Le côté didactique, on peut, toute la musique dans l'histoire, ça peut être le Moyen-Âge ou la préhistoire, et puis d'arriver jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc ce côté professoral amenait aussi à aborder tous les styles musicaux. Puis ça correspond bien à la vibration d'Alain Bernard, qui est un raconteur d'histoire. Des fois, quand on dîne à table en privé, c'est quelqu'un qui me fait toujours rire. Donc, déjà aussi drôle en dehors. J'adore. On s'est dit qu'on va le transposer sur scène. Sur scène. Donc le professeur de musique était ce qui était plus évident. Et puis et techniquement déjà, parce que c'est quelqu'un qui est un vrai virtuose du piano. Mais j'avais surtout besoin d'un recul amical et professionnel pour encadrer tout ça. Et partir sur les bonnes routes, les bonnes bases. Ça cartonne depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans, il y a eu 2011, et puis là, ce festival, il se passe très bien, parce que c'est franchement, sans se la rouler, mais c'est complet depuis... J'avais fait 2011 à Avignon. C'était un spectacle qui n'était pas aussi élaboré, c'était les bribes de ce spectacle-là. Et là, je reviens depuis dimanche dernier, donc toute la semaine est complète, et ça, j'en suis vraiment ravi. Justement, enfin, l'accueil du public, on se doute qu'il est positif, mais quelle est l'approche du public? Comment ils ressentent le spectacle? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je les vois, mais surtout quand je vais tracter. Et c'est assez incroyable, parce que je me dis, on est déjà venu, et ça fait plaisir. Ou je vois aussi des gens qui disent, on aimerait venir, on ne peut pas, c'est complet. Ouais. C'est quand même incroyable. Que je pense qu'il y a un bon accueil, les gens sont là. S'ils en parlent, si le bouche-oreille se fait, c'est que bon, le spectacle fait. Ça, ça fait très, très, ça fait très, très plaisir de voir que tout le travail qui est fait en amont, au niveau de notre production aussi, le travail d'aller chercher les programmateurs, de contacter. Tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça s'est pas fait comme ça en 3 jours. Et on est content de voir un petit peu le résultat. Et puis aller peut-être plus loin après dans une salle à Paris. Puis revenir certainement à Avignon dans une salle un peu plus grande. Et on est sur le chemin. Non, puis moi je le vois à la sortie du spectacle, les gens ils ont la banane, mais ils ont appris des choses. Oui. C'est un spectacle qui est assez professoral et voilà. Oui. Il y a du fond et de la forme. Je trouve ça très rigolo de reprendre certains standards et de faire un peu, parce que c'est un peu ça souvent dans ce spectacle-là, c'est on va mélanger plusieurs genres et on va voir ce que ça peut donner. On voit qu'au final, tout peut être harmonieux, tout peut aller ensemble quand on voit que par exemple David Guetta, on peut le refaire avec. Trois pauvres notes et avec le texte, enfin la chanson de l'été qui est là, avec Patrick Sébastien adapté de façon jazz qui est au final presque écoutable en soi. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est drôle, c'est d'avoir tout ce mélange-là qui au final marche très bien et qui, je pense, du coup touche tout le monde et amuse tout le monde aussi. Je pense que c'est ça qui fait, je pense, la richesse du spectacle. Bah, c'est gentil de le voir comme ça. Vous avez tout dit. merci beaucoup. Vous avez peut-être un dernier mot à dire, quelque chose pour les gens qui ne seraient pas venus ou pour parler du spectacle? Les gens qui ne seraient pas venus, venez, vous ne serez pas déçus, c'est tout. Voilà, puis on souhaite un bon festival à tous nos copains aussi qui sont sur le festival. On a plein de monde qu'on connaît, qui jouent des spectacles. On n'a pas le temps de tout voir malheureusement, mais c'est vrai que ce festival est très agréable pour ça. Tous les gens qu'on ne peut pas voir à Paris ou sur les routes quand on part en gala, on les voit là en Avignon. Donc c'est le carrefour des spectacles. Et c'est très riche pour ça. Avignon Avignon, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. En attendant, on se retrouve avec notre ami de tous les jours, le sac à plumes. Palace, ne ratez pas la nouvelle comédie familiale et présentée de l'Albatringue à Bracalabranque. Venez passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en plein mois de juillet au Paradise Cabaret. Et ça se passe tous les jours à 15h20 au Palace. Dans Abracadabra.